Bonjour à tous. Bon, il y a quelque temps, on m'a demandé comment remancher ou changer le manche ou quoi que ce soit d'un marteau ou d'une hache. J'avais un vieux marteau, là. Voilà. Qui était... voilà ce qu'il y avait à l'intérieur des marteaux. Il était carrément mort, hein, quoi. Hein, voilà. Alors, j'ai coupé ça. J'ai fait... j'ai fait tout mon possible en ponçant avec la râpe ici et là, vous voyez jusqu'ici là, pour que ça rentre dans le manche. J'ai fait au possible que ça épouse la forme de l'intérieur du manche. J'ai également fait une fente ici. Voilà, dans laquelle je vais insérer ce petit bout de fer, là, que j'ai taillé en biseau. Vous voyez, je l'ai taillé en biseau pour que ça puisse mieux rentrer. Alors, ben, on va le faire tout de suite. Voilà. Il y a très peu de marge, c'est voulu. Voilà, déjà, il est rentré et il est déjà bien en position, bien solide. Je vais rentrer mon petit bout de ferraille, ici. Et voilà. Donc maintenant, il est rentré dans cette fente en bois. Tout est solide, tout est... J'ai plus qu'à couper ça à la scie en ferraille, là. À la scie à métaux. Et puis voilà. Je vais le couper à ras, ici. Et je peux vous dire que ça tient, ça ne bougera plus. Voilà, c'est la même chose pour une hache. Petit, gros marteau, grosse hache, petite hache, vous pouvez faire la même chose. Inutile de balancer le marteau. Celui-là, je l'avais acheté aux puces pour 1 euro. Et bien voilà, j'ai maintenant un petit marteau supplémentaire pour 1 euro. Voilà, voilà. Allez, à plus!